Et la vie. Ça va. Et toi? Un peu en mode. Ouais. Je vais le retirer après, mais bon. Tu vois. Mais tu faut que tu te mettes. Ah oui, attention. Je suis en mode Lelouch. Kylian, merci déjà de nous accueillir. Je voulais te dire un truc. Si je te dis 6, ça te dit quoi? 6. C'est le nombre de trophées du jour du mois. On ne veut pas l'avoir, ce mec, c'est pas ça. Oui, voilà, 6 fois. Trophée UNFP, joueur du mois. Tu dépasses Zlatan, quand même. Grand monsieur, ça te fait quoi? Non, je suis fier. Mm-hmm. Fier, parce que ça laisse une trace. Zlatan, c'était pas n'importe qui. On sait ce qu'il a fait dans le championnat, on sait ce qu'il a fait au club. Et de passer devant lui, c'est symbolique. Parce que moi, des fois, je vois des joueurs, quand ils arrivent, ils me parlent de tout de suite Ballon d'Or. Je vais gagner le Ballon d'Or avant de penser au trophée d'abord en équipe. Toi, tu penses quoi? J'étais comme ça aussi. J'étais comme ça. Mais quand tu gagnes des trucs importants collectivement, moi, j'ai eu la chance de gagner des choses importantes collectivement. Bah, tu réalises qu'en fait, c'est eux qui te propulsent. Et toutes les fois où j'ai pensé que je pouvais tout faire tout seul, on n'a pas gagné. Je vais voir, comme je sais que tu utilises bien ton cerveau et c'est ce que j'aime avec toi, si je te dis 7 plus 3 et 10 moins 3, ça te dit quoi? C'est ce que les gens ils nous ont reproché. Non, mais on ne peut pas le penser. Non, regarde, moi de l'extérieur, et j'ai joué devant, comme tu le sais, quand vous attaquez, c'est un 7 plus 3. Et des fois, quand vous défendez, ça se tourne en 10 moins 3. Je prends l'exemple de City, je pense pas qu'on n'avait pas la volonté de se replacer. Après, on était dans une configuration où on était assolés, on était dans notre camp et on a joué les coups à 3 parce qu'on n'avait pas la maîtrise. Et à partir du moment où tu joues des coups à 3... On avait 70 mètres pour faire des contre-attaques. Bah, c'est sûr que des fois, il y aura des moments où on sera pas là en défense. Après, on a conscience qu'on doit faire plus. Quand tu as 3 joueurs de ce niveau-là, 3 joueurs de ce statut-là, bah, on peut pas se cacher. Et on assume ça. Mais je pense que, voilà, il faut qu'on crée quelque chose où on soit pas décollé du collectif, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Ou si Messi doit revenir, ou Neymar doit revenir dans ses 60 mètres pour toucher les ballons. Bah après, c'est sûr qu'on va être décroché. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit trouver tous ensemble. Mais bien sûr, on doit y mettre du nôtre. J'ai bien aimé ce que tu as dit là, parce que c'est vrai que je me suis trouvé, moi, par exemple, dans une configuration où Pep, clairement, une fois j'ai dézoné, il m'a sorti à la mi-temps. Pourtant, j'avais marqué quand j'ai dézoné. Mais je suis passé à droite. Il m'a dit, chez moi, tu fais pas ça, tu sors. Pourtant, j'ai marqué. Mais tu as soulevé un petit point là, quand tu as dit qu'il faut qu'on se remette toujours, on se recolle à la défense. Et c'est vrai que nous, par exemple, notre défense était beaucoup plus haute. Elle était plus derrière nous. Donc ça, c'est un truc quand même qui est aussi important. Maintenant, je vais parler de ton jeu. J'étais fan, je suis toujours fan, attention, mais fan Mbappé Monaco, fin, je vais tout casser direct jusqu'à la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire que vous avez fait mal. Coupe du Monde 2018. National League aussi. Mais c'est bon, oh, c'est bon. Oh. Mais après... J'ai senti un petit là, je suis toujours comme ça. Mmh. Et pendant 2 ans, j'étais un peu plus comme ça. J'ai appris un nouveau football. J'ai commencé dans un football de transition, dans une équipe où Monaco, c'était à quoi boulevard. On jouait, tout le monde nous laissait limite marquer. Ça jouait normalement. Je suis arrivé à Paris où c'est fini, ça. Tous les week-ends, c'est du 5-3-2. Personne vient nous chercher, tout le monde attend le bus. J'ai commencé, j'ai joué à droite, j'avais jamais joué à droite. J'ai appris un nouveau football, t'apprends un nouveau statut, t'apprends un vestiaire. Quand tu as le football, Monaco c'était un grand club, mais tu arrives dans le PSG avec des stars internationales, des gens qui sont des patrons de leur pays, des gens qui ont tout gagné. T'intégrer dans un vestiaire, c'est compliqué aussi. Il y a un prix, on t'a acheté cher, on t'a acheté pour faire d'autres choses que faire le 9,5. C'était un autre système, c'était d'autres choses, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est vrai que
Je pense qu'il fallait digérer ça. Et je pense que c'est aussi la chose quand on voit aujourd'hui, quand il y a des jeunes joueurs qui sont transférés vers des nouveaux clubs, ils sont en difficulté parce qu'on te demande d'autres choses. Aujourd'hui, on te demande de tout de suite être prêt. On te demande, il n'y a plus ce côté, oui, on veut te développer. Non, non, non. Développer, on ne t'aurait pas acheté aussi cher si c'était pour te développer. On t'achète, c'est pour avoir des résultats tout de suite. Passe ou but ? J'ai souvent vu que tu disais que tu étais omnibulé par le but. Mais j'ai l'impression que depuis un petit moment aussi, tu as senti que c'était vraiment important aussi de rendre les autres meilleurs. Ouais, je me suis surtout dit que quand tu veux être un joueur spécial, pourquoi choisir quand tu peux faire les deux ? Je suis le meilleur passeur du championnat. Ça fait, je crois, 3-4 ans, je suis le meilleur passeur de la Champions League. Donc ça prouve que voilà, je suis pas non plus. Oui, oui, exact. Je suis pas non plus un égoïste qui pense qu'à marquer. Donc. Mais je pense que je peux le développer encore ça pas mal. Je peux le débloquer pas mal parce que je pense que ça me limite pas dans mon jeu. Il y a un truc aussi qui m'a frappé et je me demande si c'est pas ça aussi qui t'a. Allez, on va utiliser le mot petite gifle. Le penalty raté et ça peut arriver, hein, tout le monde rate le penalty. Les sifflets, soi-disant, le non-contrat, pas contrat, enfin bref. Mais j'ai trouvé que ta réaction montrait une forme de le grand joueur. J'aimerais aussi savoir comment déjà tu t'en es sorti et qui t'a aidé. Quand tu prends un mur, et l'Euro c'est un mur, hein, quand tu te fais éliminer en huitième de finale, tu rates un pénalty décisif, bah, tout de suite tu te poses des questions parce que ça s'est pas bien passé, donc pourquoi ça s'est pas bien passé? Et après, j'ai eu mes parents, j'ai discuté beaucoup avec ma mère, avec mon père. Ils m'ont dit en sachant ce qui allait se passer, parce que je savais que voilà, je voulais partir, de vraiment me recentrer sur le terrain. Que voilà, peut-être que j'étais peut-être pas ailleurs, mais je mettais peut-être trop d'énergie dans autre chose. Et que ce qui avait fait ma force, c'était le terrain, et que la meilleure réponse que je pouvais donner, c'était être sur le terrain. Les gens, ils viennent payer leur place, ils s'en foutent de tes états d'âme, ils s'en foutent que tu veuilles partir, ils s'en foutent que t'aies raté un penalty. Ils viennent, ils veulent voir jouer le numéro 7 du PSG. Voilà, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Moi, je sais. Je sais que c'est pas aussi évident de temps en temps, avant les matchs. Et je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait peur ? De pas gagner. De pas gagner, de décevoir. Parce que tu es exigeant avec toi-même. Parce que les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi que les gens le sont avec moi. Donc tu as toujours une surexigence envers toi-même. Tu sais ce que c'est, tu te parles à toi-même de te dire, voilà, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas décevoir, je ne peux pas mal jouer. Et c'est toujours c'est quelque chose qui t'anime tous les jours. Maintenant, j'ai une question, elle va être un peu subtile. c'est pas une attaque, mais c'est juste à un moment donné, quand c'est toi le patron, c'est toi le patron. Et pour moi, pour l'instant, le patron, c'est toi. Pour Di Maria. Et les bons gauchers vers Mbappé. La tête de Kylian Mbappé. Il est encore là au PSG. Et il le montre. Et il le prouve. Est-ce que tu penses que c'est la même vision pour tout le monde ? C'est difficile parce que quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t'autoproclamer patron, c'est osé. Maintenant, c'est sûr que voilà, aujourd'hui, je suis dans une grande période. L'équipe, elle tourne bien, j'arrive à l'aider au maximum. Dire qui est le patron, on s'en fout un peu. Le but, c'est de mettre les trois dans les meilleures conditions parce qu'on est trois, comme on dit en anglais, game changer. C'est des joueurs qui peuvent changer le match. Tant mieux, c'est comme ça. Tu m'as répondu. Tout à l'heure, tu as envoyé un petit truc game changer. J'ai déjà fait quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. Non. Non, mais. Oui, non, je vois de temps ouais, en temps, tu es bon, là, il est oh là, bon, guetta, il est très bon, il est très bon, mais c'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et j'ai voulu aussi être un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir s'adapter. En toutes circonstances, tu arrives là-bas, tu sais parler, voilà. C'est donc c'est juste pour ça, c'est juste pour, en fait, pas de... Non, après, bien sûr, si un jour tu voyages, il faut... Ah oui, non, oui, bien sûr. mais non, c'est pas... Avant tout, c'était pas pour ça, avant tout. Après, si ça me sert, tant mieux. Au passage. Au passage, voilà. On va pas s'en priver. Non.
Non, mais je ne veux pas rentrer dans ça. C'est un peu la question que tout le monde veut savoir, l'avenir. Un jour, il y a ça et un jour, il y a autre chose. Et il se passe tellement de nouvelles choses qu'aujourd'hui, tu dois prendre le temps. Et c'est une décision qui n'est pas facile. On te parle de soit rester dans... Quoi qu'il arrive, j'ai joué dans un grand club. Donc, c'est pour ça que quand les gens me disaient « Oui, tu n'es pas trop déçu de ne pas être transféré. » Ouais, un peu au début, c'est normal quand tu voulais partir, mais... J'étais pas en national, quoi. J'étais dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. T'es pas à Porto Combo. Ouais, et en plus, moi, je suis parisien. je suis parisien. Moi, je suis chez moi, j'ai la famille et tout ici. T'es bien. Et ouais, je suis super bien. J'ai toujours dit que j'étais super bien. C'était juste qu'à ce moment-là, je voulais découvrir autre chose. Lo entiendo. Je veux pas parler espagnol avec toi. Je vois où tu veux m'emmener. Non. C'est juste une. Ouais, bien. Tu comprends pas. Non, si. Ah, donc, merci. Continue bien. Et puis, hasta luego. Hasta luego.